café. بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. قال في شرح قال المصنف رحمه الله قال في شرح المهذب لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير هو الراجح من حيث الدليل هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. نعم. Donc il dit ici, il a dit dans le Sharh al-Muhadhab, ça c'est l'explication du Nawawi, l'explication de l'imam Nawawi. Donc il a dit là-bas, donc en expliquant le Muhadhab, il n'est pas obligatoire de laver l'impureté du khinzir 7 fois. Donc, si par exemple le khinzir, il est venu, il a léché par exemple une assiette, ou bien il a mis, n'est-ce pas, sa bouche ou sa langue, il a mis sa langue à l'intérieur, il dit c'est pas obligatoire de laver ça 7 fois comme on lave pour le chien. Il dit c'est ce qui est juste par rapport au dalil, et c'est ce qu'on choisit. Donc c'est l'avis qui est juste ici. Il dit parce que la base c'est quoi, c'est que la chose n'est pas obligatoire jusqu'à ce qu'il y ait un dalil dans la législation. Donc il y a des savants qui ont dit, ils ont fait le qiyas en fait. Certains savants ont dit, c'est la même chose avec le khinzir, donc le porc. Ils ont dit, c'est la même chose. Donc lui aussi, le khinzir, s'il lèche le récipient de quelqu'un, il doit laver aussi 7 fois. Mais le cheikh dit que ça, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'on lave une seule fois. Jane. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un dalil. On n'a pas un dalil qui justifie que quand il s'agit du khinzir, on va laver ça 7 fois. Et on ne sait pas, n'est-ce pas, est-ce que la même chose qui est dans la salive du chien se retrouve aussi dans la salive du khinzir pour venir dire qu'il faut faire 7 fois. Non. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن reprends s'il te plaît. اختلف العلماء في وجوب استعمال التراب. استعمال التراب. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب غسلات السبع، وأما استعمال التراب معهن فليس بواجب، وذلك لاضطراب رواية في الغسلة التي اضطراب الرواية وذلك لاضطراب اضطراب الرواية في الغسل في الغسلة التي فيها التراب. ففي بعض الروايات أنها الأولى. نعم. وفي بعضها أنها الأخيرة، وفي بعضها لم يعين مكانها، ففي إحداهن ومن أجل هذا الاضطراب سقط ففي إحداهن يا بوين. ففي إحداهن ومن أجل هذا الاضطراب سقط الاستدلال على وجوب التراب والأصل عدمه. نعم. Il dit ici, les savants ont divergé sur l'obligation de l'utilisation de la terre. Donc est-ce qu'on doit utiliser la terre obligatoirement? Parce que dans le hadith on a dit utiliser la terre, n'est-ce pas, la première fois dans une riwaya vers la fin, ou bien à la fin. Donc les savants ont divergé, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser la terre? Il dit, les Hanafis et les Malikis ont dit que c'est obligatoire de laver 7 fois,
Quant au fait d'utiliser la terre, donc avec ces 7 fois-là, ils ont dit que ce n'est pas obligatoire. Il dit pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? Car ils ont vu qu'il y a des contradictions dans les riwayats là. Tantôt on dit, donc les riwayats où il y a la mention de la terre, tantôt on dit que c'est la première fois qu'il faut laver avec la terre, tantôt on dit que c'est la fin, tantôt on ne précise pas où est-ce qu'on doit laver avec la terre. Donc ils ont dit à cause de ça, l'istidlal tombe. Donc on ne peut plus prendre ça comme dalil pour dire que c'est obligatoire de laver avec la terre. Et ils disent la base, c'est quoi? C'est que la chose n'est pas obligatoire jusqu'à ce qu'on ait un dalil. Non. وذهب الشافعي Le درس passé, on avait vu une قاعدة. C'était quoi par rapport à ça? قاعدة c'est que حمل المفضل على المقيد مشروط بأن يقيد بقيدين متناميين نعم فإن قيد بذلك امتنع حمل وبقي على اطلاقه وعلم أن قيدين تمثيل لا تقييد. Donc, on avait dit, lorsqu'on a plusieurs restrictions qui sont en opposition, si on ne peut pas faire un jam, alors ici-là, le texte reste général. Les restrictions, là, on n'a pas entre griffes, ces restrictions deviennent un tamthil. C'est-à-dire que c'est un exemple. Le prophète a dit ça, par exemple, comme exemple, pas que ce sont des restrictions. Donc, ce qui vient restreindre le texte. Donc, nous ici, dans ça, on n'a pas d'ishkal. On a dit la première fois. On a dit la dernière fois. On voit bien que la première fois, la dernière fois, ça s'oppose. Donc, on doit laver avec la terre. La première fois ou la dernière fois. On dit ici, comme ça s'oppose, on ne peut pas faire un jam. On dit ça reste mutlaq. Donc, tu peux faire la première fois. Tu peux faire aussi. Tu peux laver aussi là. La dernière fois. Ok? Non. Donc ici là, quand ceux-là ont parlé de l'étrope, on dit non. Parce qu'ils ont dit, il y a des contradictions, donc à cause de ça, on dit que c'est quoi? On dit que ça tombe, on ne prend plus ça comme dalil. L'étrope, la contradiction qui est, comment on appelle ça? Qui rend le hadith faible, c'est une contradiction. Il faut que toutes les versions soient authentiques. Et puis on n'arrive pas à faire un jama. Là, on voit qu'il y a un ishkal, il y a un problème dans le récit. Les gens qui ont rapporté n'ont pas bien mémorisé. Mais si on peut trouver un jam, ou bien on peut trouver une explication qui n'empêche pas, n'est-ce pas, de travailler avec ces textes-là, alors ici, là, on ne va pas dire que le hadith est faible. Parce que à la base, les rapporteurs qui ont rapporté sont dignes de confiance. Donc, accuser les rapporteurs qui sont dignes de confiance, qui se sont trompés, il faut un dalil fort. Donc ici, là, on dit, comme on peut comprendre que c'était un tamthil, donc c'était juste des exemples. Le prophète a dit la première fois, le prophète a dit la dernière fois. Donc à ce moment-là, on ne vient plus dire que le hadith est quoi? Le hadith est faible. Non. Donc l'arrêt qu'on a vu là, parmi les différents cas où on peut laver, il y a la première fois, la deuxième Deuxième. fois, il y a la double qu'on n'a pas mentionné. Là, Non. tu connais aussi le choix La des première, prophètes. la dernière. C'est venu la première fois, c'est venu la dernière fois, et il y a des cas où on n'a pas précisé. Ça veut dire aussi qu'on peut aussi laver sans utiliser la tête, comme Non, c'est non, non, venu non. dans la C'est boucle. la masala maintenant que le cheikh est en train de traiter ici, là. Ah. Et on va voir ce qui est juste. Mais là, on parle d'abord de. Parce qu'ils ont amené un argument. Ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire d'utiliser la terre. Ils ont dit que ce n'est pas obligé d'utiliser la terre parce qu'il y a des versions où on dit la première fois, il y a des versions où on dit la dernière fois. Maintenant, nous, on répond à ça par la règle qu'on a donnée là. Et on dit ça n'implique pas de dire que ce n'est pas obligatoire. Parce qu'eux, ils veulent dire que ce n'est pas wajib. Donc, tu ne dois pas utiliser la terre. Mais nous, on dit non, il faut utiliser la terre. Mais le fait qu'on ait dit la première fois, la dernière fois, ça ne montre pas les pirobes. Jade. Non. Ça montre que tu as le choix. Tu peux faire la première fois, tu peux faire la dernière fois, tu peux faire au milieu. Jade. Mais il faut utiliser la terre, comme on va voir. Non. Hein? Tu voulais demander quelque chose? Oui. La seconde. Bon, tu devais écouter puisque le cours a été enregistré. Tu devais écouter le DAF, ça va passer. Tu vois, voilà. Si on a un texte qui est âme, et puis on a des textes où on a une restriction de griffe, si ces restrictions sont en contradiction,
On ne peut pas faire un jam. À ce moment-là, ça tombe, on ne prend plus ça comme restriction. On travaille avec le texte général. Et puis les restrictions-là deviennent juste des exemples. Ça veut dire, la personne peut faire ça, la personne peut faire ça. Là. وأتبعهما وأكثر الظاهرية وأكثر الظاهرية وإسحاق وأبو عبيد وأبو الثور وأبو الثور نعم وأبو الثور وابن الجرير وأبو الثور نعم أبو الثور وأبو الثور نعم وابن الجرير وغيرهم إلى اشتراط التراب فإن غسل النجاسة الكلب بدون فإن غسلت نجاسة الكلب فإن غسلت نجاسة الكلب بدون فلا يطهر فلا يطهر فلا يطهر نعم وذلك للنصوص الصحيحة في ذلك نعم دونك On a vu déjà l'avis de ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire d'utiliser la terre. Il dit maintenant, Shafi'i et Ahmed, et ceux qui les ont suivis, et la majorité des Zahiriya, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibn Jarir, et d'autres. Quelle part de ces Zahiriya, c'est Amadabi, Ibn Yafani, Ibn Arba, c'était Non, Daoud Zahiri, il a vécu à l'époque de l'imam Ahmed. Donc c'est un contemporain de l'imam Ahmed. Ceci est Mazhab. Souvent, il y a des gens qui négligent ça ou bien ils ne citent pas ça. Mais c'est un mazhab qui est considéré. C'est vrai qu'il y a certains savants qui ne prennent pas leur mazhab là souvent en compte, mais à Sahih, c'est quoi? On les prend en compte, les Zahiriya. Voilà. Donc, il a dit ceux-là, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et ceux qui les ont suivis, et la majorité des Zahiriya, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibn Jarir et d'autres, ils ont dit c'est une condition d'utiliser quoi? La terre. Ils ont dit quoi? Si on nettoie donc l'impureté du chien, sans ça, ce ne sera pas pur. Jade. Donc il faut nécessairement utiliser la terre. Il dit ceci à cause des textes authentiques qui sont venus sur cela. Ça, c'est ce qui est sahih. Ce qui est sahih, c'est qu'on doit utiliser la terre. C'est obligatoire d'utiliser la terre parce que le prophète, ici, là, dans l'ordre qu'il a donné, il a dit d'utiliser la terre. Ensuite, dans la terre, on va voir aussi que il y a, je ne sais pas si le cheikh a cité ça ici, mais en tout cas, il y a des recherches qui ont montré que dans la terre, il a cité ça avant. Il y a des recherches qui ont montré que dans la terre, il y a quelque chose qui enlève en fait, n'est-ce pas, les microbes qui sont dans la salive du chien. Donc, il faut utiliser la terre avec de l'eau aussi. C'est pas juste de l'eau sans la terre. Et puis on avait aussi vu qu'il y a des savants qui ont dit qu'on peut utiliser à la place le savon ou bien autre chose. Mais à Sahih, il faut utiliser la terre. Parce que comme on a dit, il y a dans la terre ce qui va, n'est-ce pas, détruire les microbes qui sont dans la salive du chien, qu'on n'a pas forcément dans les autres désinfectants là. Non. وأما دعوى الاضطراب في الرواية أما دعوى الاضطراب فأما دعوى الاضطراب في الرواية فمردودة نعم فإنما في الرواية فمردودة فإنه إنما يحكم بسقوط الرواية من أجل الاضطراب بسقوط الرواية يا الشدة بسقوط الرواية من أجل الاضطراب إذا تساوت الوجوه أما إذا ترجح بعض الوجوه على بعض كما في هذا الحديث فإن الحكم يكون للرواية الراجحة كما هو مقرر في علم الأصول وهنا الراجح رواية المسلم لأنها أولى. Ah bon? Chez toi c'est comme ça? أنها أولى. Il dit donc,
La prétention, donc ceux qui ont dit qu'il y a eu des contradictions, c'est Mouporib, il dit ceci est rejeté. Il dit car on va faire tomber la riwaya, on va délaisser la riwaya en disant qu'il y a des contradictions si les versions sont quoi? C'est au même niveau, l'authenticité, c'est-à-dire que tous les textes sont authentiques. Jade. Mais si on peut faire, bien sûr, on fait précéder certaines versions sur d'autres, ok, on ne dit pas que ici là c'est Mouporib. C'est-à-dire, quand on juge un hadith Mouktarib, il faut quoi? Il faut que les versions, toutes les versions, soient. Il n'y a pas de faiblesse. Jade, il n'y a pas de faiblesse dans certaines versions. Parce qu'il y a des faiblesses, on va enlever ce qui est faible, on va laisser ce qui est quoi? Authentique. On ne va pas parler de contradiction. Alors, on ne va pas opposer ce qui est authentique avec ce qui n'est pas authentique. Donc, il dit, il faut que ça soit, toutes les versions, ça doit être au même niveau, c'est-à-dire que ça doit être authentique. Il dit, mais si. Le crayon. Il dit, mais si, voilà, si on a fait précéder certaines versions sur d'autres, alors à ce moment-là, on ne dit pas que le hadith est quoi? On parle. Et lui, le cheikh, il voit que on fait précéder la version on a dit au début. Donc au début avec la terre. Parce qu'il avait dit que c'est rapporté par Bukhari et Muslim et tout ça. Mais en sahih, comme on a dit, la personne a le choix. La personne peut aller avec la terre au début ou bien à la fin. Non. اختلف العلماء اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه أو عامة في جميع بدنه وأعضائه Reprends, s'il te plaît. Je n'ai pas suivi. اختلف العلماء Non. هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه أو عامة في جميع بدنه وأعضائه Non. Donc, il dit ici, divergence des savants. Les savants ont divergé. Est-ce que l'impureté du chien, c'est seulement sur sa bouche et sa salive, ou bien ça englobe tous ses membres? On avait déjà vu la divergence et on a vu ce qui est sahih. Non. Le cher dit. وذهب الجمهور إلى أن نجاسته عامة أن النجاسة إلى أن نجاسته نعم عامة لجميع بدنه، وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا. تشادي كوا أن نجاسته عامة لجميع إلى أن نجاسته عامة نعم لجميع بدنه، نعم وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا، نعم وذلك عام عام أيضا، نعم وذلك منهم إلحاقا لسائر بدنه بفمه. Donc le cheikh dit, la majorité des savants ont dit, l'impureté du chien est générale, ça englobe tout son corps. Ils ont dit, et donc laver là, quand on dit de laver cette fois-là, il dit ça englobe tout, n'est-ce pas, le chien. Ça veut dire que même s'il t'a touché, même si il t'a touché avec ses poils, etc., tu dois laver cette fois. Ok? Ils ont dit donc, ils ont fait le qiyas par rapport à la salive du chien avec tout son corps. Mais ça, c'est pas sahih. Ok? Comme on avait vu que ce qui est juste, c'est seulement la salive du chien. Okay? Et le fait que la salive du chien est impure, ça n'implique pas que ses poils vont être impurs, son corps va être impur, comme a expliqué le cheikh ou l'islam Ibn Taymiyyah. Non. وذهب الإمام مالك وداود إلى قصر الحكم على لسانه وفمه، نعم وذلك أنهم يرون أن الأمر بالغسل تعبدي تعبدي لا للنجاسة، نعم والتعبدي يقصر على النص فلا يتعداه لعدم معرفة العلة. نعم Il dit donc que l'imam Malik et Daoud, donc Daoud al-Zahiri, ils sont allés à dire que le hukm ici se limite à sa langue, sa bouche. Jade. Ils ont dit parce que le fait de l'ordre ici, quand on a demandé de laver, c'est quelque chose, on le fait par adoration. On le fait par adoration, ce n'est pas à cause de l'impureté. Et ce qu'on demande de faire par adoration, on se limite au texte. Ça ne dépasse pas le texte parce qu'on ne connaît pas quoi? La cause. Il y a des choses qu'on nous demande de faire par adoration. On le fait par adoration, on ne sait pas pourquoi. On le fait juste par adoration.
Bien évidemment, il y a une sagesse dans ça, mais nous, on ne sait pas pourquoi on a dit de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle là qu'on peut raisonner. Donc, le cas de ce genre de choses-là, on ne fait pas l'analogie dans ça. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la règle là. Parce que parmi les piliers de l'analogie, il faut quoi? Il faut connaître la cause. Il faut connaître quoi? Il faut connaître la cause. Parce que les piliers de l'analogie, on a quatre. Quatre piliers. On a le os, la base, donc la chose même avec laquelle on va faire l'analogie là. Par exemple, on dit on a interdit l'alcool. Il y a un texte qui interdit l'alcool parce que ça saoule. Ça, c'est la base, le os. Ensuite, on a le fara. Le fara, c'est la chose maintenant qu'on va prendre pour faire l'analogie, c'est-à-dire que là, on n'a pas un dalil, mais on veut donner le même hukm. On appelle ça le fara. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a la illa, la cause. Ça, c'est parmi les piliers. Sans ça, on ne peut pas parler d'analogie. Chaque fois que quelqu'un veut parler d'analogie, si on ne connaît pas la cause, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas faire l'analogie. Parce que pour faire l'analogie, il faut qu'on sache pourquoi on a interdit. Maintenant, nous, on veut donner le même hukm là-bas. Donc, ça doit avoir la même cause. Parce que si la cause est différente, on ne peut pas donner le même hukm. Si on dit l'alcool est interdit parce que ça saoule, on trouve quelque chose aussi qui saoule, par exemple le chanvre ou quelque chose comme ça, même si on a peine d'aller où on a dit chanvre, on va dire que c'est interdit, ça prend le même hukm. Parce que ça, la même règle là, ça fait quoi? Ça détruit la raison, bien ça perturbe la raison. Donc ça c'est la quatrième. Et le dernier pilier c'est quoi? C'est le hukm. Ça doit avoir le même hukm. Quand tu fais l'analogie, tu dois donner le même hukm. Tu ne peux pas donner un hukm différent. C'est interdit. Toi, tu veux faire l'analogie pour donner le hukm, mais c'est permis. Ça, c'est bordé. OK? Donc, ce sont les quatre piliers de l'analogie. Sans ça, il n'y a pas d'analogie. Il faut le ans, il faut le far, il faut la règle, il faut le hukm, le même hukm. Donc, ici, là, ils ont dit, c'est ta'aboudi. OK? C'est-à-dire qu'on a demandé de laver par adoration, on ne sait pas pourquoi. C'est pas à cause de la najasa. Et donc, comme c'est ta'aboudi pour eux, on ne peut pas faire l'analogie avec le khinzir. Parce que c'est quelle est la raison pourquoi on a demandé de laver pour le chien cette fois. Comme ils disent que c'est ta'aboudi, on ne peut pas faire donc l'analogie avec le khinzir. Pour dire que comme le khinzir aussi, on doit laver cette fois. Jade. Alors, ici là, ce qui est sahih, c'est qu'on demande de laver cette fois. Jade. D'abord, il y a la najasa, mais on dit c'est possible que ça cause des microbes. Ok? Donc, on connaît pourquoi. Mais est-ce que les mêmes microbes là, on trouve ça chez le rhinzir? On n'a pas de dalil qui justifie ça pour qu'on puisse faire quoi? L'analogie. Ok? Donc, ici nous disons, le cheikh va m'expliquer ici, la règle est connue. À la base, quand on demande de laver, c'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que c'est, on peut raisonner, on peut connaître la raison. C'est pas quelque chose qu'on va dire non, c'est taboudi comme ça. Non, il dit. أنه يوجد في بدني لا لا القول الأول هو الراجح هذا كلا دينه القول الأول هو الراجح لأمور نبدي سيدنا شو القول الأول هو الراجح للأمور نعم donc le cheikh dit la première parole c'est la parole qui est juste pour plusieurs raisons donc la première parole ici c'est la parole de du jumhur Non. Mais nous on a vu qu'à Sahih, c'est la parole, c'est la vie du cheikh ou l'islam, c'est pas tout le corps. C'est la salive du chien qui est impure. Non. Non. أنه يوجب في بدن الأول أنه يوجب في بدنه يوجد يوجد في بدنه أجزاء هي أجزاء أجزاء هي أنجس وأقدر من فمه ولسانه Bon, ça, c'est pas vraiment un dalil qui est fort. Le cheikh dit ce qui est juste, l'avis du jumhur. Donc, tout le chien est najis. Premièrement, il dit parce qu'on trouve dans le corps du chien des parties qui sont plus impures, qui sont plus sales que sa bouche et sa langue. C'est ça, c'est un dalil qui montre que, donc, on doit dire que tout le corps est najis. Non. En plus de ça, il y a un khilaf. Comme on a vu, il y a un khilaf sur. Parce que quand le cheikh dit ici plus impur, là, il va viser quoi? Certainement l'urine. Mais on a vu qu'il y a un khilaf
Je sais pas, il n'y a pas ijma sur ça. C'est-à-dire, si on dit que l'urine est impure, ça n'implique pas dire que tout le corps est impur. Jade? Non. Son urine aussi est impure. De quoi? Du chien? On avait vu que non. On avait vu que non. Parce que l'impureté, parmi les règles, on avait donné cette règle-là. C'est très important parce que ça aide à voir ce qui est roger. Dans l'impureté, il faut un dalil. La base, c'est que les choses sont pures. Jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre que telle chose est impure. C'est-à-dire, c'est pas à nous de décider que ça c'est impur. Non, il faut un dalil. Donc, si les savants divergent, est-ce que ça c'est impur, ça c'est pas impur? On va regarder le dalil. Le savant qui va apporter le dalil qui justifie que la chose est impure, on va dire c'est impur. S'il n'y a pas de dalil, on dit non. Ok? Est-ce qu'on a un dalil qui justifie que l'urine du chien est impure? En réalité, il n'y a pas. Au contraire, mais on a ce qui peut montrer le contraire. Parce qu'on avait vu la fois passée que les chiens rentraient dans la mosquée du prophète, ils urinaient dans la mosquée du prophète, ils sortaient, ils allaient. C'est pour ça que les malikis même ont dit que le chien est quoi? Est complètement pur. On a vu qu'il y a des savants qui ont dit que toutes les urines sont quoi? Pures sauf l'urine de l'être humain. On a vu ça aussi. Naam. C'est la parole des savants. Quoi? Toutes les urines sont oui, c'est un avis de certains savants. On a vu ça, non? Quand on a parlé de ceux qui ont dit à Ijma que l'urine du chien est najis, on a vu qu'Ibn Hajar a dit à pas Ijma. Parce que déjà, il y a des savants qui voient qu'on peut manger le chien. Mm-hmm. Les malikis, tu vois, certains malikis, tu vois qu'on peut manger le chien. Et parmi les règles chez les savants, ce qu'on peut manger, ils disent que c'est quoi? C'est pur. Si un animal, on dit qu'il y a juste de manger ça, il faut savoir qu'il est pur, son urine est pure. Jusqu'à preuve du contraire. Donc ils ont dit, Ibn Hajar a dit ça, ça prouve qu'il n'y a pas consensus. Parce qu'il y a des savants qui voient qu'on peut manger le chien. Et qu'il y a une croix chez les savants qui dit que ce qui est licite, ces urines sont pures. Donc ça veut dire qu'il y a des savants qui ne voient pas que l'urine du chien est quoi? Est najis. Et en plus, il a amené la parole d'Ibn Wahb aussi. Il disait que Ibn Wahb voit que l'urine de tous les êtres vivants est pure sauf celui de l'être humain. Peut-être que tu n'avais pas fait attention. Non. Après, j'ai vu. Il faut revenir au vieux. Non. Il dit à la base dans les ahkam, c'est qu'on connaît la cause. Et donc, on va dire ici, on va ramener ça à ce qui est plus connu. Jade, il dit dans la législation, le plus souvent, on connaît les causes des choses. Lorsqu'on dit de faire ceci, ne faites pas ceci, faites ceci, ne faites pas cela. On connaît les causes. Ça, c'est de manière générale, pas toujours, mais il dit la base dans les ahkam, c'est ça. Donc, on doit dire ici que la cause est connue. On a demandé de laver pour enlever la saleté, pour enlever l'impureté. Il dit al-os, dans les ahkam, on connaît la cause. C'est-à-dire, quand on nous dit de faire telle chose, quand on nous interdit telle chose, on connaît pourquoi on a demandé de faire ça, pourquoi on a interdit. Il dit la base, c'est qu'on connaît les causes. Donc, il dit on doit ramener le texte là. Parce qu'eux, ils ont dit on ne connaît pas pourquoi on a demandé de laver la salive, comment on appelle ça, ce que le récipient que le chien a lapé cette fois. Pourquoi on a demandé, on ne sait pas. Maintenant, le cheikh ici, il est en train de dire qu'à la base, dans les ahkam, il y a le ta'li. Le ta'li est connu, c'est-à-dire on sait pourquoi. Ok? Donc, il dit on doit donc considérer ici, là, on doit ramener ça à ce qui est plus connu dans la législation. C'est-à-dire que dans la législation, on a des choses qu'on nous demande de faire, on ne connaît pas pourquoi. Mais le cheikh dit, de manière générale dans la législation, en général, on connaît les causes des choses qu'on nous demande de faire. Okay? Mais il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais de manière à, on connaît. Donc il dit, on doit ramener le texte là à ce qui est général, ce qui domine, le harla. C'est ça en fait. نجاسة ميكروبية فلم تصبح مما لم تعقل إلا مما لا تعقل مما لم تعقل لا مما لا تعقل نعم مما لا تعقل علته علته نعم وإنما أصبحت الحكم وإنما أصبحت الحكمة ظاهرة لا ظاهرة ظاهرة نعم أصبحت أصبحت الحكمة ظاهرة. Donc le cheikh dit, il est apparu
Donc récemment, il y a eu des recherches qui ont prouvé que l'impureté du chien est une impureté en fait liée aux microbes. Donc il y a des microbes dans la salive du chien. Il dit, et donc, ce n'est plus une chose qu'on va dire qu'on ne connaît pas en fait. On ne peut plus, comment on appelle ça? On ne sait pas en fait la cause. Il dit donc, la hikma est donc apparente, la sagesse est donc apparente, c'est-à-dire qu'on voit donc la sagesse, pourquoi on a demandé de laver sept fois? Si on sait que la najasa du chien est liée aux microbes, donc quand on demande de laver sept fois, on comprend donc la raison. On demande de laver sept fois parce qu'il y a des microbes. Non. قال الشافعي جميع أعضاء الكلب يده وذنبه ورجله أو أي عضو إذا وقع في الإناء غسل سبع مرات بعد إهراق ما فيه. Donc il dit que l'imam Shafi'i a dit tous les membres du chien, donc sa main, sa queue, ses pieds, ou n'importe quel membre, si ça tombe dans le récipient, il faut laver ça sept fois après avoir versé ce qui est dans le récipient. Mais ça, c'est pas sahih. Ça, c'est pas sahih parce qu'il n'y a pas de dalil. On a demandé de laver la salive du chien sept fois. Ok, le vase qui a été lavé par le chien sept fois. Où est-ce qu'on a demandé de laver si le pied du chien rentre dans le récipient? Il n'y a pas. Et on peut aussi voir que la salive, quand on regarde, comme le cheikh a dit ici, c'est prouvé que la najasa, donc de la salive là, c'est lié au microbe. C'est lié au quoi? Au microbe. Et aussi, on sait que les récipients en général, on fait quoi avec? On mange avec, on boit. Ok? Donc, on n'a pas vraiment ce qui permet de montrer que le pied du chien, ou bien sa queue, ou autre membre, ça a le même hukm, le même jugement. Eux, ils ont fait ici l'analogie comme on avait vu. Là. قال أستاذ طبارة في كتابه Là. في روحي كتابي. في كتاب روحي لدين الإسلام روح الدين الإسلامي تسمع شيء Mais tu peux t'asseoir là pour voir. Ah. قال أستاذ طبارة C'est juste avant le hadith 9. قال الأستاذ الطبارة في كتاب روح الإسلام روح الدين الإسلامي روح الدين الإسلامي. روح الدين الإسلامي ومن حكم الإسلام لوقاية الأبدان ومن حكم ومن حكم الإسلام ومن حكم الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بالنجدة كبدي نعم دونك إذا سي que l'oustaz Tabar a dit dans son livre Ruhuddin al-Islami, parmi les sagesses de l'islam, afin de préserver les corps, il y a donc le fait de confirmer ou bien d'affirmer l'impureté du chien. Naam. وهذه معجزة عملية علمية Mu'jizatun. وهذه معجزة علمية Mu'jiza. معجزة Naam. علمية للإسلام سبق بها طب الحديث Non. Il dit donc que c'est un miracle scientifique pour l'islam dont ils ont devancé la médecine moderne. حيث أثبتت أن الكلام Ou dans lequel ils ont devancé la médecine moderne. Non. حيث أثبتت أن الكلام تنقل كثيرا أن الكلاب أن الكلاب تنقل كثيرا من الأمراض تنقل تنقل نعم كثيرا من الأمراض إلى الإنسان Il dit ici que la médecine moderne a confirmé que les chiens transportent beaucoup de maladies, transportent ça aux hommes, donc ils transmettent ça aux hommes. Non. فإن الكلاب فإن الكلاب تصاب تصاب بدودة شرطية شريطية شرطية
تتعداها إلى الإنسان وتصيبه بأمراض قضال. نعم، قد تصل قد تصل إلى حد العدو إلى الحد العدوان على حياته. وقد ثبت أن جميع أنجاس الكلاب لا تسلم من إصابة بهذه لا تسلم من الإصابة لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشرطية بهذه الديدان بهذه الديدان بهذه الديدان ديدان نعم ديدان الشرطية الشريطية 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 نعم. فيجب إبعادها عن كل ما له صلة من مأكل الإنسان أو مشربه. نعم. Donc il dit, les chiens ont ces vers-là, le ténia, vous connaissez le ténia, non? C'est ça le doulati charitiya. Il dit que les chiens ont ça, oui, le ténia. C'est un vers-là. Il est long, non? Vérité. Bon, c'est pas un vers de terre, mais c'est un vers. Il est. Comment on appelle ça? Parfois, il s'installe dans le ventre, oui. Et il dit donc ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent ça à l'homme. Et ils transmettent à l'homme des maladies, comment on appelle? Graves. Des maladies graves, très graves. Il se peut que ça joue, ou bien ça, comment on appelle ça? Ça empiète sur la vie de la personne. Jaïd. Il dit, c'est été confirmé que tous les chiens ne sont pas préservés de ces vers-là. Donc le ténia, il est donc obligatoire d'écarter tout ce qui a un rapport avec la nourriture de l'homme, la boisson. Il faut écarter ça des chiens. Jade. Et comme je disais la fois passée, peut-être beaucoup de maladies que beaucoup de gens en Europe ont là, peut-être c'est dû à ça aussi. Parce que beaucoup de personnes en Europe, ils restent avec les chiens. Ils embrassent les chiens à la bouche. Ils dorment avec les chiens sur les lits, vous voyez. Donc il est possible que, parce que souvent, beaucoup en Europe se plaignent de certaines maladies, il y a des gens qui ont des cancers, des gens qui ont ceci, cela. Il est possible que ça soit une raison. Hein? On reste avec le chien, on embrasse le chien, on dort avec le chien dans la maison, il va là-bas, il lèche par-ci, par-là, il donne même l'héritage au chien, alors que le chien, on doit s'écarter. Là, je crois qu'on va s'arrêter ici. Didan, c'est le pluriel de Douda. Douda, c'est le verre. C'est bon? Je crois qu'on s'arrête ici. On va prendre le chien. Il dit ça pour soutenir le caractère impur de tout le coaching. Je pense qu'il a mis ça en guise de faïda. Il veut dire en fait ici, il veut montrer que l'islam a dévancé la science moderne. Parce qu'eux, ils ont découvert, parce que lui, il dit ici que. Ils ont découvert que dans la saillie du chien, il y a des maladies, ou bien le chien transporte des maladies qu'il transmet aux êtres humains. Donc lui veut ramener ça pour dire que l'islam a déjà, le fait que l'islam ait demandé de laver la salive du chien, le vase lavé par le chien, cette fois, ça montre que l'islam déjà avait déjà dévancé la médecine dans ce qu'eux, ils ont découvert. Mais c'est possible aussi parce que le chien est allé dans la position de Jumongo. Mais c'est plus cette faille qui ressort de ce texte-là. Ah.